Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo après pratiquement 3 semaines sans vidéo et vous me direz si la qualité vidéo a changé ou non puisque je vous filme avec mon nouvel appareil qui est un Canon G7X Mark II. Je sais que beaucoup de youtubeurs l'ont et beaucoup sont très contents et donc ça a été mon cadeau d'anniversaire. Je vous en parle dès demain en vlog puisque demain soir un vlog sortira, je l'aurai mis demain matin mais comme je vous sors cette vidéo assez tard ce dimanche soir, je me suis dit que le vlog sortira lundi soir. En plus j'ai la ring light etc, enfin bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Vous me direz si je suis trop blanche, enfin vous dites-moi en commentaire si vous voulez. Bref, je reviens dans une vidéo soin blabla parce que voilà, 3 semaines sans vidéo, vous avez été nombreuses à vous poser des questions, pourquoi je n'étais pas revenue après tous ces vlogmas, etc. Bref, donc en même temps je vais tester, là en tout il y a 4 produits mais ça sera 3 produits que je n'ai jamais testés puisque ce sont soit des produits que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Sephora, soit dans le swap que j'ai fait avec Laura. Je vous mettrai le swap dans le petit i. Donc dans le calendrier de l'avant, j'avais eu un gommage comme ceci. Donc on va tester en même temps le focus. C'est plutôt pas mal. Le gommage de chez Sephora, c'est le Volk gommage éclat visage exfolie et lisse. Donc je vais tester ça. Même si vous savez que j'aime énormément le gommage de la marque 9 Wishes. Ensuite, en nettoyant visage, j'ai pris celui de chez Fresh que j'ai. Alors, ça c'est un cadeau de Laura et ça c'est dans le calendrier de l'avant Sepho, donc de la marque Fresh. C'est une très bonne marque. Nettoyant visage au soja. Et toujours de la marque Fresh, que là j'ai eu également dans le swap avec Laura, c'est un masque hydratant sleeping. Donc j'espère par contre que c'est pas... ça va laisser poser toute la nuit et laisser absorber, puis appliquer immédiatement le... Ah si, ça a laissé poser toute la nuit. Bon, de toute façon c'est pas grave. Au pire, regardez... Voilà, regardez le vlog de demain et puis je vous dirai... ce que j'en ai pensé, puisque je vous montre un peu les soins, mais c'est pas vraiment pour ça. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire pourquoi je n'étais pas là. Bref, magie du montage, vous allez voir. Je passe à être en pyjama, parce que là, je suis en robe. C'est parti. Voilà. Donc, je vais retirer mes bijoux que j'ai juste ici. Hop. J'espère que ça va vous plaire. Et je vais attacher mes cheveux. Comme vous avez pu un petit peu le voir peut-être, je n'ai plus du tout d'extension. C'est la vie. J'ai pas pris de démaquillant. Donc on va tester celui-ci. J'ai toujours pas testé, je viens juste de le mettre. Il faut que je prenne l'habitude de ne pas regarder en haut, mais de vous regarder de face. J'ai mis dans ma salle de bain, mais je ne l'ai pas encore testé. C'est l'huile démaquillante de la marque Sienne au miel, comme ceci. Que j'ai trouvé donc au Lidl il y a un petit moment, que j'avais en backup, donc je vais déjà me laver les mains quand même. Pareil, pour me laver les mains, moi j'utilise un savon mousse, vous savez, d'Amal Bassin Body Works, ça fait un moment que je l'ai. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous parler comme ceci, parce que comme ça, c'est comme si je vous voyais. Donc, pourquoi je ne suis pas revenue pendant ces 3 semaines? On vous a souhaité la bonne année avec Matt et puis voilà, je vous ai laissé un petit peu sans nouvelles, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram également, parce que d'une j'étais en vacances, donc j'ai profité et de mes parents, de mes petites nièces et un petit peu de Matt. Ça a été mon anniversaire le 6 janvier, j'ai eu 33 ans le 6 janvier, merci beaucoup pour celles qui s'en sont rappelés. Si vous en êtes pas rappelés, c'est pas bien grave, hein, c'est pas la fin du monde. Et sinon, et bah vous savez qu'on a passé une année 2020 pour tout le monde pas forcément facile. Et je sais pas, j'ai eu un vrai coup de mou après tous ces vlogmas.
J'ai adoré vous faire une vidéo par jour, même si ça a été énormément de travail. On va se démaquiller tous en même temps. Même si ça a été énormément de travail, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire toutes ces vidéos pour vous. Ce que j'ai... Ça sent vraiment bon par contre. Ça sent le miel et en même temps un effet un peu fleuri, on va dire. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu que mon contenu vous avait plu, même si ça n'a pas été des vlogs en fait tous les jours, mais plutôt 3 vlogs par semaine et sinon des facecam entre deux. Donc je suis contente que tout ça, ça vous ait plu. Et puis après en fait j'ai eu un coup de mou. Dans la vie on a des projets et en fait il y a des projets qui vous pensez que vous allez y arriver et vous vous rendez compte par la force des choses que eh ben non, c'est encore un projet qui s'annule pour l'année 2021 et puis on a tous des petits soucis personnels et donc voilà, j'avais pas trop le moral, ça a été compliqué, je l'ai pas trop montré ni autour de moi tout ça parce que bah voilà, tout le monde a chacun a ses soucis et j'ai pas voulu le montrer à des personnes pour les inculper encore plus. Et donc j'ai préféré ne pas filmer parce que moi quand je vous filme j'essaye, même si des fois c'est pas le cas, j'essaye un maximum de vous changer les idées, de parler de sujets que j'aime et la tristesse c'est pas un sujet que j'aime, hein, loin de là. Donc voilà, et puis en plus sincèrement voilà, j'ai voulu me reposer vraiment. Cette huile démaquillante est plutôt pas mal pour son prix, hein. Moi j'utilise pas de waterproof mais ça démaquille plutôt bien. Je parais hyper blanche par contre avec la ring light. C'est un truc de fou. Alors que je suis pas blanche comme ça. Hein. Faudrait que je regarde par rapport à la lumière. Je sais qu'on peut faire une lumière un petit peu plus jaune. Hop. Bref, on va tester maintenant le nettoyant de chez Fresh. Donc voilà pourquoi je suis pas revenue. J'ai décidé aussi cette année de prendre plus soin... comment de notre santé. Je déteste les opercules. Et donc là, fin du mois, j'ai pas mal de petits rendez-vous, que ce soit dentiste, etc. Malgré qu'on ait toujours un problème avec notre mutuelle, mais donc c'est sous forme de gel. Hop. Et ouais, on a toujours un souci avec notre mutuelle, mais tant pis quoi. Les dents là, il faut que je fasse quelque chose, elles se cassent une par une et ça devient catastrophique. On n'a pas tous le même capital dentaire, hein, je peux vous dire, parce que Mathias a un capital dents exceptionnel, il a des dents de fou. J'en viens vite fait vers vous pour le nettoyant, il est hyper doux et il glisse super bien et il mousse bien. Il est très agréable, l'odeur de... je pense que ça la rose aussi, hein. Est hyper agréable. Bref, donc voilà, je vous voyais, il faut, je vais essayer de penser un peu plus à moi et je vais pas pouvoir arrêter de penser aux autres, mais penser plus à moi et laisser de côté un peu les autres en fait. Et puis on a d'autres projets pour 2021 et on a toujours les mêmes projets que les années précédentes et on va mettre tout de notre côté pour que ça fonctionne en fait. Là, je sais pas, ouais. Ça a été très compliqué ce début d'année. Est-ce que c'est le changement d'année, tout ça? C'est pas mon anniversaire. Alors, prendre un an de plus, ça me fait rien du tout. Je vais rincer mon visage à l'eau chaude pour bien faire pénétrer tout ce qui est masque, etc. Mais voilà. Des fois, vous savez pas où vous savez, mais vous savez pas pourquoi d'un coup, non, moralement, ça va pas. Et c'est à ce moment-là que vous vous posez des questions. Et souvent, le début d'année,
où les changements de saison, on peut dire aussi, sont plutôt propices à se remettre en question. Et là, j'ai décidé que je ferai plus attention et à moi et à notre couple aussi, et à la famille qu'on a envie de construire, que ce soit la famille que nous on a envie de construire ou à notre avenir de couple en fait. Donc voilà pourquoi je suis pas vraiment revenue, et puis j'avais besoin de temps, et je pense que j'ai beaucoup partagé avec vous en décembre, et je me suis dit que janvier on pouvait se reposer un petit peu. Maintenant je reviens, c'est pas facile tous les jours hein. Mais j'ai un mari en or, et je sais que j'ai une famille également en or. J'ai des collègues aussi adorables, donc voilà, ça va mieux, ça me remonte le moral. Je vous dis pas que tous les jours ça va, mais voilà, j'essaye de penser à nous maintenant. Et puis on va tester le gommage, il m'a l'air noir. Il est tout gris. Et c'est gommage, hein? Ouais. Ah oui. Il y a plein de petits grains. Je sais pas si vous allez les voir. Vous voyez? Je sais pas. C'est une odeur un peu masculine, je dirais. Et donc voilà. Pourquoi je suis pas revenue. Mais ça y est, je reviens. Là, vous avez la vidéo de mon retour. Bien entendu, je vous ai déjà souhaité une bonne année, tout ça. Je vous re-souhaite une excellente année et qu'elle soit meilleure que 2020. Mais pour l'instant, c'est mal barré, hein, j'ai envie de vous dire. On a du mal à se projeter, en fait, de partir en week-end, en voyage, tout ça. Le couvre-feu à 18h, c'est galère, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Et ce que j'aimerais pour 2020... c'est faire un peu plus de live avec vous, d'être un peu plus proche encore, de réussir à répondre aux commentaires. Je me suis pas du tout mis dans les commentaires, à part vous lire, j'ai pas du tout répondu là. Je vous dis, depuis 3 semaines j'ai pensé à moi, je me suis reposée, et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Par contre, c'est des grains qui, ils se dissout pas du tout, hein. On a l'air fine comme ça. Bref, donc voilà. Voilà un peu ce début d'année. Pourquoi je suis pas revenue. Je vais pas tout vous dire en détail parce qu'on garde notre jardin secret aussi. Mais oh, je croyais que ça filmait plus. Mais ouais. Vous savez, quand on a un projet dans la tête depuis des années et que... d'un coup ça se rebrise et vous dites que vous y arriverez jamais et que bah malheureusement le bonheur des uns fait pas le bonheur des autres des fois hein. Il fait pas le malheur mais il fait pas non plus le bonheur. Donc voilà. Attendez, je reviens. Bref, on va rincer tout ça. Donc voilà quoi. Ce que je pouvais vous dire. C'est vraiment une petite vidéo blabla, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis pas que cette fois-ci, je répondrai à toutes les questions, parce qu'il y a des questions que j'ai pas envie de répondre. C'est pas la peine de me demander exactement pourquoi je suis pas revenue, parce que je vous dirai pas vraiment la raison. Mais voilà. J'ai hâte que cette année passe et qu'elle nous apporte des bonnes nouvelles, enfin. Qu'elle nous apporte pas que des nouvelles qui vous cassent. Aujourd'hui dimanche, parce que je vous le filme, il est 18h, vous aurez cette vidéo après. On a passé une très bonne journée en famille. On a appris des jolies choses, donc ça fait du bien. Mais voilà, nous on veut que cette année il n'y ait que des nouvelles comme ça, et si possible des nouvelles aussi pour nous personnellement dans notre couple, ça serait encore plus cool. Donc voilà. J'espère que vous comprendrez pourquoi j'étais absente, que vous m'en voudrez pas. Et j'ai envie de vous dire sincèrement, même si vous m'en voulez, bah c'est comme ça. À un moment donné, YouTube, oui, moi c'est une passion, c'est pas du tout mon métier. Mais quand ça va pas, je préfère ne pas filmer. Voilà. Bref,
Je vais poser le masque et du coup bah, je vous dis de me suivre demain en vlog. Comme ça je vous dirai l'effet que ça a, si ça vaut son prix ou pas. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain dans le vlog, à mercredi dans une vidéo Chine. Mais je ne serai pas toute seule, je serai avec Justine de la chaîne Justine Chanel. Je vous mettrai pareil sa chaîne en barre d'infos. Et puis on se retrouve au fil des jours. Même si là je ne filme plus une vidéo par jour, je vais essayer de vous faire entre 2 et 3 vidéos par semaine, en incluant le vlog dans les 3 vidéos, hein, pas en plus du vlog. Mais dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir tout au long de l'année. Même si j'ai une catégorie de vidéos que j'aimerais beaucoup faire, je vais essayer de travailler dessus maintenant que j'ai cet appareil. Donc voilà, moi je vais finir ça, je vais aller préparer à manger, faire ce montage et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et encore merci à toutes et tous d'être là, et même en MP, ça fait énormément plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.